Petit exemple à quoi servent les maths. Donc ici, j'ai en haut à droite un design, un design. Donc c'est juste une animation qui peut être utilisée dans une vidéo. Alors, j'ai une transformation ici de rotation que je peux appliquer. Et donc quand j'applique la rotation, évidemment, quand c'est comme ça, hop, si j'applique la rotation, on voit que le seau se vide en quelque sorte. Hein, voilà. Et le niveau d'eau suit le saut. Évidemment, si je vais trop en arrière, on a un défaut. Donc, on fait attention, évidemment, de bien effectuer la rotation ainsi. Voilà. Petite animation toute simple. Et où sont les maths là-dedans? Ben, si on va dans S rectangle, on voit qu'en fait, ici, on a une belle expression mathématique avec des sinus. Donc, un petit sinus, la rotation qui est en degrés qu'on divise par 360 et qu'on multiplie par pi. Alors ici, ça devrait être 180, mais j'ai besoin que ça arrive deux fois plus vite. Et donc, enfin, deux fois plus lentement. Et donc, je divise par deux fois 180. Donc, ça a été mixé ensemble. Ouais, 0,5, c'est parce que mon carré a un côté de 1. Et donc, je veux la moitié du côté et le SQRT2 qui suit. C'est parce que je veux, de ce moitié de côté, extraire, en fait, la moitié de la diagonale du carré. Ce qui me donne la position du point supérieur droit. Et ce point supérieur droit est transformé par le sinus, pardon, qu'on voit ici. Parce que c'est la verticale. Donc voilà. Donc, on a une petite expression mathématique de trigonométrie qui permet au final de faire quoi? Ben, d'avoir l'eau qui se vide. Comme quoi, la trigonométrie est utile.